Salut, salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi de liker. Bref, la famille, voici un cyberactiviste PPACI d'Igor qui est très en colère contre Laurent Gbagbo et aussi le PPACI. Voici des gens qui ont fait un combat. Un combat, vraiment un combat qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont dans le regret. Voici dessin animé qui est en train d'exprimer son petit côté de regret. Voici dessin animé qui est en train de vraiment parler dignement à Laurent Gbagbo. Et il exprime aussi sa colère. Voici des gens qui ont fait un combat pour Laurent Gbagbo. Eux croyaient que oui, Laurent Gbagbo allait leur apporter quelque chose de bien pour le pays. Mais aujourd'hui, la sortie de Laurent Gbagbo leur fait vomir. Aujourd'hui, ils sont fâchés. Et les gars viennent s'exprimer. Petit à petit, les vidéomans. Les vidéomans entrent et s'exprimer petit à petit. Et puis, entre eux-mêmes, ils s'attaquent. Venez, vous allez écouter. Voici où, dessin animé en train de parler. Regardez l'ingratitude. Comment Laurent Gbagbo est ingrat? Comment Laurent Gbagbo se fout des Ivoiriens? Comment Laurent Gbagbo ne respecte pas les Ivoiriens? Comment Laurent Gbagbo est vraiment quelqu'un, on ne peut pas lui faire confiance? Vous-même, vous allez écouter ce qu'il dessin animé va nous dire. Vous-même, vous allez apprécier et vous allez écouter la vraie version du dessin animé. Quand on vous dit non que oui, nous les Ivoiriens, on doit faire beaucoup très attention. Ce n'est pas pour dire non que oui, on vous taquine, ou soit on se fout de vous. Non. Surtout, nous-mêmes, on doit faire beaucoup très attention. Car les politiciens, quand ça ne va pas chez l'autre, il est obligé de venir faire alliance avec telle personne. Il est comme ça, il va faire alliance avec telle. Eux, ils sont là pour alliance, alliance, alliance. Mais si vous faites les alliances, et aussi on voit que quelqu'un qui est au pouvoir actuellement, il est en train de travailler, il s'occupe de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi ne pas l'accepter? Pourquoi ne pas le suivre? Arrêtez de faire les alliances. C'est nous, on vous vote, non? Nous, on vous regarde. Les Ivoiriens, partez-vous, vous enrôlez. On est prêt pour 2025 là. Oui, on est prêt pour 2025 là. Vous allez comprendre. La famille? Voici, gros, petit marteau, coin gros caillou, casse gros caillou plutôt. Voici. Là, vous allez rire. Non, dessin animé, allez là. Il est pépant. Il a été déclenché pour Laurent Gbagbo. On peut faire ça. Voici la vidéo. Le pouvoir, c'est comme une jolie botte. Voilà. Le pouvoir, c'est comme une jolie montre. Voilà, ça suscite ton convoitise. C'est pas parce que tu es dans ta maison. Tu es dans ta maison que tu as pensé que tu es en sécurité. Mais parce qu'on dit, en philosophie, on dit la conscience d'autrui est insaisissable. Parmi tes enfants, tu ne connais pas tous. Tu ne sais pas qui ta montre là peut intéresser. Donc, c'est comme le pouvoir. Le pouvoir, il faut le conserver jalousement. Mais vous avez pris votre pouvoir, vous avez mis ça à côté là-bas et après vous supprimez que en. Ils ont fait rébellion. Ah, mais ton pouvoir, si tu l'as bien protégé, il n'a pas fait rébellion. Il n'a pas fait rébellion. Donc, après, il dit, ah, ils sont venus nous attaquer. Non, tout ça, vous avez même chauffé dedans. Voilà, parce que c'est vous qui venez, c'est vous là. Donc, on ne peut pas avoir des choses de politique là. Parce que c'est nous manipulés. Aujourd'hui, Bakoua s'est levé, il a bédié pour faire alliance contre Ouattara. Après, Koukou, Ouattara va faire alliance avec bédié pour attaquer Ado. Après, maintenant, Ouattara a fait alliance contre Bédier avec Bédier pour attaquer Gbagbo. Après, Gbagbo va faire alliance avec Ouattara pour attaquer Bédier. Mais au fait, vous foutez de nous. Vous vous foutez de nous. Parce que c'est le même chemin en voie. Vous vous foutez de nous. Et vous dites que Ouattara est venu encore pour ça. Oh, pourtant, dans le passé, c'est vous qui êtes venu à Ouattara. Ouattara, il voit rien. Vous devez faire alliance avec lui. Donc, au fait, c'est nous, on prend pour des cons, quoi. Et à certains cons qu'on vous suit. Non, mais vous suivez, on a 50 ans. On ne va pas vous suivre aujourd'hui là. Parce qu'on a vu que c'est passé. Voilà. Tous vos alliances, on a vu ça. Alliance de Gbagbo. Et Ouattara, il a vécu ça. Alliance de Ouattara avec Bédier, il a vécu ça. Aujourd'hui là, c'est alliance de Gbagbo et Bédier. Ils sont en train de vivre ça. Donc, nous, on est vos chiens, quoi. C'est vrai, nous, on a les yeux fermés pour nous manipuler seulement. On fait passe-passe. Politique triangulaire. C'est ça. Et quand on parle. Non, on est bandit. Moi, je suis pas bandit. Hein. Voilà, il dit ça, arrêtez ça.
Voilà. J'ai dit ça là, arrêtez ça. Parce que vous nous prenez pour des cons vers la fin. Voilà. Vers la fin là, vous nous prenez pour des cons. Pourtant, vous parlez bien. Mais devant les militants, vous dites autre chose. Et quand vous les convoquez, vos militants vous accompagnent. Vous qui avez tenu des propos incendiés là, on ne vous met pas en prison. Hein. C'est vos militants en prison. Là, les gens n'ont encore rien compris. Donc moi, ce que j'ai dit là, 2025 là, s'il y a élection là, c'est vos familles qui ont voté. Babo Kanda, c'est sa famille qui a voté. Ouattara Kanda, c'est sa famille qui a voté. Bédier, c'est sa famille qui a voté. On a compris ça. Voilà. Ma plus, c'est fatigué pour vous. Sincèrement. Parce que c'est un jeu. Vous nous maintenant, bateau. Également qu'on a compris ça. Également qu'on a compris. Ah. Parce que c'est alliance. C'est pas nouveau. Hein. Tout est même fait depuis 30 ans. Babo a fait alliance. Et ado. Front républicain. Il dit que Ouattara est Burkina. Il dit Ouattara est Ivoirien. Que si Babo ne veut pas, si Bédé l'espace se présenter, lui ne se présente pas. Aujourd'hui, les mêmes viennent dire que ah, on va être Burkinabé. Non, en ce moment-là, c'est un nouveau jeu, quoi. Et nous, on est vos cons. On est vos idiots. En tout cas, c'est ceux qui ont 18 ans, 20 ans que vous avez manipulé. Ceux qui sont nés en 2000. Là. Sinon, nous, on a 50 ans, on a vu que les mots se péchaient. Donc, moi, ils mangent, j'ai fait un commentaire. Ceux qui viennent dire ah, tu es vendu, vous, ah, vous n'avez rien compris, c'est vous qui avez dit 12 et tout. Moi, je ne suis pas un idiot. Alors, je ne suis pas un béni, oui. Il n'y a pas l'homme qui est plus pour que moi. Alors, quand ça a commencé en 2014, pour voir prendre caméra, on a pris caméra ici. En ce moment, vous ne connaissez pas. Alors, en ce moment, on ne vous connaissez pas. Alors, en ce moment, vous ne connaissez pas. Donc, quand vous venez dire, non, il vient d'entrer à Abidjan. Mais il vient d'entrer à Abidjan. Mais seulement qu'il rentre à Abidjan. Pour votre intérêt égoïste, moi, de suivre votre jeu, quoi. Pour vous dégonfler votre chip. Non. D'abord, pour voir. Babo est opposant, il a ses partisans qui sont encore en exil. Ah, encore même vos chiffres là. Là, tout ça là pour vous entraîner égoïste. Il veut entrer à Abidjan. Mais le leader pour qui veut se battre à Abidjan. Au contraire, vous devez dire, ah ouais, champion, venez à Abidjan, venez, voilà. Parce que Babo est libéré. Mais vous qu'on veut, on parle bien, non, il veut entrer à Abidjan. Comme si ouais, vous voulez qu'on reste en exil. Et vous, ça vous arrange. Mais ça c'est mesquin ça. Et qu'on a combattu pour lui. Il est libéré, il est libre. Nous aussi, on veut entrer à Abidjan pour aller savourer la victoire. Vous ne voulez pas. Non, on est retraite. Pourquoi on veut entrer à Abidjan? Et il y a beaucoup de cas comme ça, des FPI qui sont morts. Comment que vous manipulez? Les gossiers et tout ça, il y a beaucoup qui sont morts. Beaucoup, tous sont morts en exil. Quand il est entré à Abidjan, oh non, si tu mets à Abidjan, si tu entres à Abidjan, tu as trahi Babo. Voilà. Et tous sont morts comme ça. Et c'est ce que nous voulons arriver. En tout cas, moi, ça va me prendre. Parce que je n'ai pas mangé Babo. Voilà. Moi, j'étais militaire, c'était l'an de l'État, c'est pas l'an de Babou. Ouais, il était militaire, gendarme, là. C'est l'an de l'État de Pierre. C'est pas, il n'était pas extrême de quelqu'un pour dire qu'il était son ministre. Jamais de la vie. Voilà. Moi, c'est une justice que je combattais. Voilà. Ils l'ont libéré, mon combat s'arrête là, c'est fini. Voilà. Maintenant, s'il a lieu de parler aussi dans ce qui se passe, il peut parler. Voilà. C'est ça qu'il dit, ah, le pouvoir de Ouattara était mal nécessaire. Voilà. Mal pourquoi? Parce que nous, tout ce qu'on a déploré là, c'est le fait que Ouattara est venu. Et puis ça, et tu lui dis, et puis il n'y a pas cessé de dire, et tu lui dis ça. Ouattara est venu au pouvoir d'une manière calamiteuse. Quand on parle de calamité, c'est le fait que Ouattara est venu au pouvoir. Il y a eu des morts. Voilà. Il y a eu des morts. C'est des morts qui ont fait que Ouattara est venu au pouvoir. Ça, on a déploré. Et puis on a fait le combat. Maintenant, quand on veut faire le bilan maintenant, là, le bilan des trois présidents là, mais c'est Ouattara qui est dément. Parce que nous là, votre président, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, parce que vous êtes président, c'est pour votre famille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire ce que nous on va bénéficier, là, le peuple là. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Tous ceux qui vous suivent, les militants, vous suivent, oh, Babo, là, vous n'avez pas besoin de travail. Voilà, c'est quand Babo va construire l'hôpital. Il va construire le terrain, c'est dans ça, non, ça va content. On va dire, ah, c'est ce que l'on peut gagner là. Sinon, vous mettez votre présence en tant que tel là. C'est votre secte fermé qui bouffe. C'est vous et votre gouvernement. Ah, c'est vous et votre gouvernement. Nous, on gagne rien dedans. Nous, on se tue pour vous là. On gagne rien dedans dans vos actions au pouvoir. Parce que vous avez un secte fermé. C'est vous qui êtes bouffé. Donc, nous, on peut se réjouir là. C'est les infrastructures que vous construisez là. Voilà. Les routes, les hôpitaux. Les 30 ans, c'est dans ça nous on gagne. Voilà. Mais qui de vous trois là, Bédier est venu au pouvoir. Il a fait quoi?
Il n'a rien fait. Babou est venu au pouvoir. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Mais ils ont un alibi de manipulation. Non! Qu'il y a une rébellion. Il y a une rébellion. Aïe. Mais ta maison, ça va clôturer. Voleur va venir, non? Ou sa maison est bien clôturée. Il y a quelqu'un qui fait une rébellion, non? Mais elle peut passer. Il peut pas passer. Parce que son pouvoir, il possède son pouvoir jalousement. Et c'est comme ça. Un pouvoir, il faut le conserver jalousement. Peut-être ça suffit de convoitise. Mais vous, votre seul alibi, on dit non, il y a eu une rébellion. Ça nous empêchait de plus la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, vous voliez. Vos amis là, vos amis volaient. Ils détenaient de l'argent. Les capés d'eau là. Là, c'était où ça? Ils prenaient là où ça? Voilà. Même si les gars de Ouattara là, ils s'endettent et ils volent là. Mais au moins, nous on voit ce qu'ils sont dit. Voilà. Au moins on voit. Moi, même si c'est Abidjan, mais qu'il voit Abidjan, moi, mais c'est comme ça. Il dit, ah, mais tiens, champion, mais Abidjan. Abidjan vient, high-tech, c'est pas blanc. On dit non, on s'endette. Mais les blancs qui sont ici là, aujourd'hui on voit les pays développés là, on dit ah, mais la France est jolie, hein, les États-Unis est jolie. Mais ceux qui vivaient à l'air du développement là, ils ont souffert. Mais ils ont caché, ils ont scellé les gens parce qu'ils se sont dit non, que c'est pour notre génération future. Mais nous, quelqu'un est en train de bâtir le pays, et nous on gronde. Mais ceux qui sont égoïstes, parce qu'on pense à nous seuls. Nous on pense à nous, à nos présents, on ne pense pas à nos futurs. Parce que nous, notre tête, nous, c'est le pouvoir, c'est la guerre qui est dans notre tête. C'est la guerre, on veut tout détruire, mais on ne pense pas à nos générations futures là. Ceux qui vont venir après nous là, ils vont dire, ah, mais nos problèmes, c'est comme héritage. Les blancs, on voit les pays, on le compte là, c'est l'héritage des parents. Mais nous, en Côte d'Ivoire, il y a quel héritage? Ben, moi, le pouvoir, on a construit tous les statuts. Les statuts là, ils ont tout cassé. Ce qu'on peut donner Bagou là, c'est la clé du Patis. Et ça, on peut le tenir. À part qu'on peut rien le tenir. Et puis, il me donne des choses, des députés. C'est tout. On peut rien le tenir. Ouattara s'en va là. Lui, là, il est là. Il est en train de construire son mât. Pont. À part venir casser les ponts là. Parce que nous, on casse pas. On marche comment? Voilà. Donc, lui, il est en train de mettre la barre haute. Voilà. Parce qu'on dit, vous, il est votre politique de manipulation. Vous voulez venir dire, ah, le pays n'est pas ivoirien. Lui, accepté. Voilà. On dit, oui, c'est un Burkinabé. Mais le Burkinabé là, il est en train de construire le pays. Voilà. Donc c'est pour dire que Burkinabé a construit le pays. Maintenant, un président qui s'est dit ivoirien, natif de Côte d'Ivoire, s'il vient, il n'a pas plus fort que le Burkinabé, en tout cas lui, on va l'enlever. Parce que l'homme que vous avez appelé le Burkinabé, on dit c'est un bouki. Il a construit le pays. Il est en train de mettre le pays zoo. Donc en tant que il a l'armée. Il pourrait dire, ah, pour tout ce qu'il a subi là, il a été marginalisé là. Voilà, j'ai l'armée à un mois, pas qu'un gars parlé. Il prend tous les briques là et met construit au Burkina. Et puis il n'y a rien derrière. Qui va barrer? Personne ne va brancher. Jamais. Ici, de pouvoir, il n'y a pas une valeur qui dit ah, on s'en prend la construction, qu'il va être la construction au Burkina pour venir payer cet autre argent. Ça n'a pas existé. Mais le Burkinabé, il aime plus la Côte d'Ivoire que son pays. Et c'est ce que l'on constate. L'homme que vous appelez Burkinabé, mais il aime plus la Côte d'Ivoire que son pays. Parce que partout, c'est un chantier. Hein. Et puis les chantiers, il y a menace. On dit ah, c'est un projet de 2 ans. Si 2 ans arrivé, toi le ministère qui ne s'est pas occupé de ça, en même temps, bam, on te renvoie. Mais un gars comme ça là, c'est bien la fille de non, ah, qui ouais, il est venu de combat. Il y a rien répondu. Mais si on va gagner un travail, parce que non, c'est ça qu'on peut gagner. Ouattara le pouvoir, ses amis. Mais nous, ce qu'on peut gagner là, c'est les infrastructures qu'on dépose là. C'est ça qu'on peut gagner là. C'est ça qui nous rend en joie. Donc si on a une infrastructure en Côte d'Ivoire, moi, il est content. Moi, quand on s'est réjoui, il va venir parler autre chose. Non, c'était pour dire ça là. Non, mais le projet là, lui, vous avez eu des projets. T'as des projets. Mais si tu mets pas les projets en exergue, quelqu'un vient mettre en exergue. On va le féliciter. Mais vous trouvez la Libye. Non, il y a une rébellion. Mais la rébellion, c'est vous-même qui faites la rébellion. Parce que moi, je me rappelle. La rébellion, c'est pas ce que nulle part. On vous a dit, ah, les gens s'entraînent au Burkina. On vous a dit que les gens s'entraînent au Burkina. Vous aussi, comme vous étiez confiant. Non, laissez-les, le nageur, on voit son dos. Ouattara même, il y a son petit lac qui est là. Quand il a tenté quelqu'un, il va dire acheter maillot de bain. On coupe sa route devant là-bas. Mais vous mettez le gars est dans l'eau, hein. Et puis en train d'aller vers vous, et puis vous le voyez. Non, laissez le nageur, on voit son dos. Et puis il vient vers vous, hein. Au moins vous le prendra, le nageur vous a avalé. Et après vous pleurez. Et vous cherchez les boucs de mystère. On dit c'est Simon Gbagbo. On dit c'est Bleu Boudé. On dit c'est Soro Guillaume. Alors que vous savez peut-être que ouais. Ceux que vous enlevez là, c'est les grattés. C'est eux que vous enlevez, vous ne faites pas les affaires. Et c'est eux qui vous ont blanchi. Donc quand vous demandez pour dire, ah,
On veut les voir, on veut voir ceux qui sont les coupables là. Les coupables, vous les voyez, vous faites exprès. Les coupables là que vous cherchez là, vous les voyez, mais pas vous demandez, vous nous demandez. Ceux que vous enlevez au pouvoir là, vous les voyez, ils ne sont pas encore du bois ici. Ils sont en Europe, ils sont ici. Parce que moi, quand ils sont au combat, ce n'est pas Hélico de France qui est vu bombarder sa résidence. Voilà. Moi, Hélico est vu, c'est Hélico Gazelle, Guépard, avec des missiles en train de bombarder. En ce moment, ils sont au Toulouse. 2024, blanc, ONU-ci. Et au moins 6 Hélico français en train de bombarder la résidence. En train de bombarder tous les cas. Voilà. Donc, les coupables des morts, là, cherchez-les ici. Mais pourquoi vous les cherchez encore du bas? Vous savez pertinemment que si vous enlevez, c'est parce que vous ne faisiez pas les affaires. Vous savez pourquoi vous enlevez? Mais à un moment donné, en sortant de la manipulation, arrêtez de vouloir tuer, manipuler les gens. Voilà. Moi, je ne suis pas ici. Je ne suis pas allé à ça. Voilà. Le pays est tranquille. Voilà. Ce qui est passé est passé. Voilà. Ça a servi d'exemple à ceux qui sont venus au pouvoir. Les jeunes, ça a servi d'exemple pour dire, ah, quand il y a un pouvoir, on ne s'amuse pas à ça. Le pouvoir suffit de convoitise. Donc, il faut le conserver jalousement. On dit encore, même si on mange pas, on mange pas, la vie est dure. Mais au moins, les gens sont en sécurité. Ils sont en sécurité un peu. Et infrastructure. Et comme des lâches. Et ils dénoncent du Nord, on s'endette, on s'endette. Mais tout pays est endetté. Tous les pays sont endettés. Les États-Unis sont endettés, mais on est là. Le jour où vous demande, vous dites, ah, dette la venez payer là, refusez. Dites non, ah, il n'était pas au pouvoir, ça va être au pouvoir, il ne peut pas payer dette. On va vous encaisser. Si quelqu'un vient devant la propriété, ah, la police va devoir. Il faut payer la dette là. Faut pas payer. Tout le monde est fatigué de ça, c'est seulement. Voilà. Et quand on parle, on dit qu'il a vendu. Il n'y a pas vendu quelque chose ici. Voilà. Moi, je n'ai pas fait révélément des situations. Je vous ai expliqué. On parle de révélément des situations lorsque tu te donnes une ligne de conduite. Dis-moi, moi, je commence un combat. Voilà. Je veux que Bobo soit libéré. Et je combats. Voilà. Jusqu'on aboutit à la libération de Bobo. Mon combat était gagné, mon palais était gagné. Mais quand je me fixe, et là je fixe, dans un combat, je dis je veux que Bobo soit libéré, et je combat ce dictateur, et au bout du combat, je me retourne contre lui. C'est ce qu'on appelle révélément de situation. Est-ce que moi j'ai fait ça? J'ai pas fait ça. Mais pourquoi quand j'ai apprécié un travail qui était fait en Côte d'Ivoire, on m'a dit non, il vient d'entrer en Côte d'Ivoire. Ma place n'est pas ici. Ma place est en Côte d'Ivoire. Aïe. Ma place est en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo pour qui a lutté là. Il a encore d'abord d'être en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous, c'est vous, pourquoi vous, c'est militant là? C'est vous le voyez comme des traîtres. Mais moi, ça ne me surprend pas. Est-ce que vous pouvez voir vos propres femmes comme traîtres, des gens qui ont mouru pour vous, comme des traîtres? Moi, c'est qui? C'est militaire, on ne vous concerne pas même. Nous, on était que des exécutants. Alors, on dit, va tirer, non, sans tirer. On dit, va attraper, non, va attraper. On dit, va chicoter, non, va chicoter. C'est ça, non, c'est ça, c'est bon, c'est tout. Donc quand vous dites non, moi ça me dit absolument rien. Parce qu'on est habitué à ça. Mais on vous dit, 2025 là, voilà, ça va pas se passer comme ça. Voilà, parce que nous, on n'a pas les moutons, on n'a pas mangé nos vomi, on n'a pas tout venu construire le pays. Et puis à cause de vos intérêts égoïstes et politiques, on est venu tout gâter. Non, mais là, comme New York, on ne veut plus, voilà. On veut plus de ça. Voilà, on ne veut plus de ça. Moi, je veux que vous passez la main. Voilà, vous êtes fatigué. Parce que on va attendre de passer la main. Mais Wata aussi, il voit clair, dit, ah, mais c'est là, il est passé là, mais si, il pouvait qu'on puisse faire en bas. L'autre, il anticipe en même temps. Parce que Wata, il anticipe. Wata, il est fatigué, il veut quitter le pouvoir. Mais quand il voit que Bédé, il entend ses muscles, il dit, champion, c'est quand celui-là, s'il va au pouvoir, il quitte là, non, on est seulement en prison. Donc Wata aussi a fait le courage, il dit, ah, que les gars aussi, ils sont pas prêts. Bah, moi, les vieux, même, ils sont, donc, là. Donc, moi, si Bédé dit, il veut se présenter, bah, moi, il veut se présenter. Moi, il a soutenu Wata là. Parce que lui, au moins, lui, il y a la sécurité. Et puis, en plus, la sécurité aussi. Il y a chantier seulement. Nous, on est fatigués, mais ça vient en combien de temps? C'est pour dire que si Walter vient au pouvoir depuis 2000 ans, il y a longtemps qu'on vient de New York. C'est pas pour lui, il y a chantier seulement. Il y a chantier. Bagua, il ne peut pas circuler. On ne peut pas circuler à Cocody. Bagua fait discours au palais. Il dit, mais même de Cocody à Cocody, impossible de circuler. Ça, c'est ce qu'il dit de Cocody à Cocody. Oui, c'est normal, mais Bagua ne dit pas qu'il y a les ponts. Hein. Oui, ça va prendre la manipulation. Ouais. Il peut dire que non, à Kourou, c'est impossible de circuler. Mais depuis la ville, il y a les ponts qui sont là, les ponts qui font comme ça. Ça fait comme ça. Dans son discours, il n'a pas dit ça. Hein. Il pense que ça, c'est pas honnête ça.
Voilà. Même si on n'aime pas Ouattara, on n'aime pas Bagbo, chacun son talent. Bagbo, son talent, c'est de mobiliser. Voilà. Ouattara, son talent, c'est de construire, de bâtir. Voilà. Et moi, à tout honneur, tout seigneur, ou même à tout seigneur, tout honneur. Voilà. Chacun a son talent. Mais au moins là, il faut quand même dire, reconnaître que quand quelqu'un fait quelque chose, il faut dire ça. Voilà. Moi, il ne pas RAGP. Il ne pas griller de quelqu'un. Mais si trop inquiété pour être griller de quelqu'un. Voilà, maintenant il y a la vérité, il faut dire la vérité, c'est tout. Moi, mon papa, frère pour Bagbo. Pas Bagbo, mais le FPI, quel Bagbo, ils sont petits frères. Bagbo, mon papa est FPI. Alors, il était FPI. Mais avant sa mort, quand on a le pouvoir, il dit, mais attends, dis-moi petit. Il dit, mais le gars, il n'aime pas, mais ce qu'il fait là, vraiment pas tes chefs du village. Voilà. Chef du village. Chef du village, le gouvernement de Ouattara est payé. Allez demander. Chef du village là, les chefs du village maintenant, ils sont rémunérés par le gouvernement. Chef du village, ils sont payés maintenant. Chef, quand on dit que chef du village, tu as salaire de ça. C'est Ouattara qui fait ça. Et mon père qui était FPI. FPI né qui a eu Ouattara parce que Ouattara est venu au pouvoir. Pourquoi payer là? Parce que Ouattara a envoyé Bagbo en prison. Mais là, il a approuvé, mais attends, le gars il travaille. Même si on n'aime pas, on regarde qu'il travaille. Voilà, en cas de connaître ça. Et les gens, ils sont là dans la manipulation. Ils sont là dans la manipulation. C'est-à-dire quand on constate qu'on dit un truc qui est vrai, faut pas en dire. Mais nous, on a dit ça. Voilà, nous, on n'est pas les gamins. Si chez vous êtes vieux, puis vous êtes tout autour de vos papas, nous, on n'est pas ça. Nous, nos papas, ils sont décédés, nos mamans sont décédés. Donc nous, là, on est nous-mêmes. Mais c'est vous, là, vos papas, il était jeune, il vous a appris ça. Vous n'êtes pas capable de dire, ah, mon papa, tu es fatigué. Voilà ce que tu dois appeler en exec. C'est comme un professeur et ses élèves. Le professeur, c'est pour enseigner aux élèves. C'est pour que les élèves assimilent. Mais vous n'avez rien encore assimilé. Et quand nous, on vient, on parle, les gens viennent se détacher. Vous ne voulez pas, non? On les voit en traite. En tout cas, c'est que si, il y aura beaucoup de traite. Mais 2025, là, voilà. Si ça a commencé, on va vous laisser. Parce qu'aucun militant va se serrer pour vous. Jamais de la vie. Ah. Si Ouattara se présente, Bagbo se présente, Béné se présente, moi, il fait campagne de Ouattara. Parce qu'il y a lui au moins, il y a sécurité. Sécurité, et pas construire le pont sur moi. Parce que nous, c'est ce qu'on peut gagner dans la gouvernance. C'est ce qu'on peut gagner. On peut gagner dans la gouvernance là. Pour Ouattara, c'est ce qu'on peut gagner. Voilà. On peut gagner le pont, c'est ça. C'est ça qu'on gagne dedans. Voilà. Et ce qu'il fait là, c'est pas pour nous. Mais pourquoi vous faites un combat, vous ne profitez de ce combat. On en aura pour dire, on est content. Ah, tout est fait, tout est dit, tout le temps. On est content. Mais à cette époque-là, ces parents-là, ils sont sacrifiés pour les générations futures. Et ils profitent de ça. En fait, on construit rien. Tout est à construire. On ne fait que les personnes surtout. Quand on met un enfant, on ne veut pas qu'il souffre comme on a souffert. Voilà. Mais pourquoi vous voulez que nos générations futures puissent souffrir? C'est nous qui avons construit la Côte d'Ivoire, puis ils vont hériter. Voilà. Nous avons construit la Côte d'Ivoire. On a construit la Côte d'Ivoire, puis nos enfants qui naissent, ils sont contents. Ah, nos parents ont travaillé. On dit, on est content, non. Chemin les faits là, c'est nous qui avons fait ça. Après, on a fait ça. Mais on est content. On dit, hey, chemin les faits. Régie Abidjan, Niger. On est content. Mais ce qu'on fait là, c'est travail forcé. Qu'on fait ça. Nos parents avant, voilà. Mais eux, on peut dire qu'ils sont plus intéressés que nous. Parce qu'eux ont pensé à la génération future. Mais nous, maintenant, nous, on hérite d'eux. On n'est pas prêts aussi à faire des choses pour nos générations futures. Nous, on est égoïstes. On pense à nous. On s'est juste des égoïstes. On pense à nous seuls. En tout cas, nous, moi, je suis pas dans ça. Voilà. On n'est pas dans ça, là. Voilà. Sinon, on va entrer à témoin des vieux. Hein. Il est vieux. Il peut dire, ah, mais moi, je suis près de la tombe. Je suis proche de la tombe. On m'a attaqué par le million d'euros, c'est Burkinabé. Attends, il a bien volé même tout. Il a endetté le pépier, même son Burkina. C'est celui qui a pas, il y a un qui a pris ça. Il a pris tout, il a mis son Burkina, puis il n'y a rien derrière. Lui, quand il venait pas laisser trop, il dit, ah, on va travailler notre pays, la maison Burkina, notre argent, on va venir prendre. Il n'y a pas l'homme qui fait ça. Il ne peut pas exister. Mais endettement, on dit sans dette là. Il est en train de construire le pays, ça. Bon, vous n'êtes pas endetté là. On dit, fait quoi? On dit, on rembourse les dettes. Oui, mais on rembourse, mais aussi, on rembourse là. On rembourse ce qu'on peut construire aussi. On dit qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, mais vous voulez prêter là aux gens pour payer les salaires. Vous voulez prêter là au Burkina pour payer les salaires. On a vu ça en Bourgogne, il y avait une inondation. Vous les envoyez là-bas. Voilà.
Donc pour aujourd'hui, vous êtes fâché. On dit, ah, il y a eu quelque chose en Turquie. Et puis, on va t'envoyer l'argent, 1 milliard, avec la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Au Burkina, il y a eu une inondation. Si Babo, Babo, vous êtes là, au Burkina. Hein? On se rappelle bien, il y a eu une inondation au Burkina, au Faso. Autant de blesses comparées. Inondation, donné que ça a tout gâté, il y a eu CCNS. Babo, vous êtes là. Hein? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, les relations internationales, c'est ça. Moi, vous n'avez pas fait coup de, vous n'avez pas fait coup de ça. Comme c'est opposition mouton. Voilà. Tout ce qu'on fait, bon, et moi, je ne suis pas opposant. Voilà. Moi, je ne suis pas opposant. Il était opposant. Ça m'a mené quoi? Rien. Voilà. Puis, il était pas un bon opposant même. Il était un militant de mouvance pour le Babou. Voilà. C'est ça qui est question. Donc, nous, on est fatigués, les gars. Voilà. 2025, passez la main. Si vous ne passez pas la main, il n'y a pas de problème. Bédia est candidat, ici d'accord. Babou est candidat, ici d'accord. Ouattara est candidat, ici d'accord aussi. Voilà. Mais parmi les trois candidats, c'est Ouattara qui choisit aussi. Parce qu'il a vu Bédia est au pouvoir, il n'a rien fait. Babou est au pouvoir, il n'a rien fait. Il dit non, rébellion. Mais rébellion, si vous n'avez pas protégé, c'est rébellion est venu. Donc là, ce n'est pas un alibi, quoi. Ce n'est pas un alibi tranquille pour vous, pour pouvoir vous disculper. Voilà. Ce n'est pas un alibi tranquille, mais pour pouvoir vous disculper. Voilà. Rébellion, c'est vous qui avez favorisé ça. C'est vous qui avez favorisé ça. Et puis, comment des grands politiciens. Grands politiciens. Moi, que ce soit un politicien, n'est pas un vrai politicien. Moi, j'étais un vrai politicien. Moi, mais ici, novice, ça me vaut rien. Mais moi, c'est que, ouais. Quelqu'un ne m'a dit jamais, il ne va pas aux élections, lui. Hein? Révèle la âme, t'as tu vas aux élections. Et tu sais que, ouais, c'est ce que Blanc attendait. Peut-être qu'il va aux élections. Non, on t'a foutu comment? T'as pas forcé, il faut prendre terre. Ouais, les petits, les deux générations, nos deux petits frères. Il y a les petits, là. Les petits capitaines du Burkina. Voyez ça. Et on dit, vous êtes panafricaniste, non? Bah, vous êtes panafricaniste. Mais pourquoi les blancs disent, champion, ils vont dire, moi, ils craquent la porte. Papa, on se laisse. Mais il a yoï. Il a yoï. Dans tous les yoïs, là, ne venez pas chercher pour que misère, c'est vous qui yoï. Voyez les petits, là, petit capitaine comme ça, capitaine, vous qui l'avez dit, France, qu'on a fou. Et puis, ils l'ont fou. On a assimilé Boïta, il dit, France, qu'on a fou. Et puis, ils l'ont fou. Si Boïta a dit, ah, vous n'avez pas fou, là. Quand c'est arrivé, il dit, c'est 0-0. Mais vous soufflez le chaud et le froid, et après maintenant vous cherchez un bouc émissaire. Non, c'est Svon Babo, non, c'est Afing et ça, non, c'est Blé Boudé, non, c'est 30 ans. Ok, vous-même, vous voulez les lâches. Vous ne voulez pas les guérir. Vous ne voulez pas les guérir. Et vous voulez les guérir, les clac-clac. On dit, ah, je suis panafricain, ici, panafricain, c'est la vie. Il n'y a pas l'autre qui me dit tout. Voilà. Si les Français étaient venus vous dire, ah, Babo, t'en as dit, hey, c'est niet, on met où on met. Ils pensent, ça va. Mais est-ce qu'après vous tournez à gauche? Non, il ne s'est pas suicidé, il ne s'est pas mati. Il a oublié le discours même quand il était dans son bunker, on l'a appelé. Il dit non, il me faut des rangs. Si tu as une mission, tu veux le pouvoir, mais quoi? Il dit non, il n'est pas mati. Ah, là c'est nous les matis quoi. Non, c'est nous les matis. On a compris ça même. Il n'y a pas d'homme qui a nous blagué ici. Plus jamais. C'est fini ça. Voilà, on a grandi. Voilà, on était petit, on est grand. Ça ne nous prend plus. Voilà. Mais c'est un mot pour la guerre. C'est un mot pour la guerre. Il est mal hérité là. Il est hérité. Tout ça pour ça. On s'est battu cadeau pour eux. On s'est battu. Il y a un remerciement. Regarde comment il se comporte. Les gens sont morts. 3000 morts. Voilà, c'est vu avec Babou. Il n'y a pas quelqu'un qui a commémoré. On dit, ça c'est rien ça. Laissez ça au passé. On l'a mis au passé comme ça. Aux oubliettes. Il y a des moutons qui n'ont pas compris ça encore. Ils vont s'échauffer en 2025. Babou! Yé, yeah, Ouattara, allez mourir, mourir seulement, nous on va vivre. Mourir, nous on va vivre. On va vivre, on va les ponts qu'on va construire après la guerre. Non, on va ça, non, on vit seulement, vous allez mourir. Allez mourir pour eux. Allez mourir. Voilà. On dit non, il faut lutter, il faut combattre. En combat quoi? Combat où ils sont dans la puissance, ils sont dans sa mission, nous on va combattre comment? Et tu sais, eux, c'est eux qu'on appelle jeu politique. Jeu politique, c'est pas visible, ça me pousse, c'est trop visible. Babo, Bédier et Ouattara, c'est trop visible. Ado fait alliance et Bédier, ils attaquent Babo. Babo fait alliance et Bédier, ils attaquent Ado. Ado fait alliance et Babo, ils attaquent Bédier. Et tous ont fait politique triangulaire. Ah, tiens, okay. Non, mais on n'a pas vu casser, on voit. On sait que vous amusez à nous. Excusez. Vous amusez à nous.
Et dans le musulman, il y a les morts seulement, il y a les morts, ceux qui ont fait les morts seulement. Et quand il y a la vérité, il ne faut pas venir parler. Et quand on parle, on dit non, ah, il vient d'entrer à Abidjan. Et à Abidjan, il rentre où? C'est Abidjan, là, toujours il rentre où? Mais vous parlez là, est-ce que vous êtes lucide? Attends, moi, Babou là, il lutte pour nous là, il vient de rester en exil aussi. Voilà, il vient de dire, ah, moi, je suis en train de prendre mon pouvoir, il n'y a pas attaqué, mais je pas mon pouvoir. Et puis il reste avec nous ici. Mais lui, là, Abidjan, et puis non, ici. On dit non, tu as venu aller, tu entres au pays, tu entres au pays. Est-ce que vous entendez? Mais c'est un peu payant tout ça. Ici, Mali, on vient voir. On est des idiots. Ouais, il vient d'entrer, il a changé les discours. Bah, comment est-ce que laquelle il parle aussi? Hein? Quand il parle bien, on dit non, il veut changer les discours. Il veut entrer au pays. Eh! Bon, c'est bien béni, oui, hein. Il ne dit pas griot. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Il dit ce